conneries, comment on fait pour revenir en arrière? Mon pauvre ami, ça fait depuis la création de l'univers que je me pose la question. Mais je t'emmerde. Giratina, c'est quoi ces trucs que les humains utilisent pour nous attraper? Les Pokéballs? Bah, d'après ce que je sais, ça servirait aux humains à capturer des Pokémon. Il paraît qu'il y en a de toutes sortes, et qu'il y en a même une qui peut attraper tout le monde, même les dieux. Quoi? Mais tu rigoles? Est-ce que j'ai une tête de comique? Oui. De toute façon, je te signale que tu es toi aussi un Pokémon. Ouais, mais moi je suis dieu. Personne ne peut me battre. Oh putain de sa mère, laisse-moi partir, je te jure. Et qui c'est qui va régler la facture maintenant? Dis donc, l'ancêtre, pourquoi les humains se ressemblent tous? Ah ouais, t'as raison. Il faudrait en créer plein. Ouais. Genre des blancs, des noirs, des jaunes, des rouges. Parfait. Qu'est-ce que t'as encore fait? Il se peut que j'ai créé le racisme. Je vais même pas m'embêter à te demander ce que c'est. Disons que les humains mettront longtemps avant de comprendre qu'ils font partie d'une même race. Et pendant ce temps, tous ceux qui ne sont pas blancs seront réduits en esclavage, voire persécutés. Ce sera tout? Non. Ah, j'adore créer tout ce qui est nature, montagnes, plaines enneigées et civilisations. Sans oublier les cataclysmes, les incendies, les séismes, les guerres, les épidémies. T'en as pas d'autres tant que t'y es? Oh bah si tu y tiens, la pollution, les cyclones... Mais tu vas t'en prendre un de cyclones! Kyogre, vas-y! Et n'oubliez pas, vous devez faire en sorte que chaque âme soit pure. Qu'est-ce que tu fais encore? Non, casse-toi, tu vas nous gâcher! Affirmatif. Alors? En gros, comme les êtres vivants ont une mortalité, je vais créer l'âme, afin que, quand ils mourront, ils pourront accéder à une vie éternelle. Ah, ça c'est cool! Avec moi! J'appelle pas ça une récompense. Eh bien, puisque ça a l'air de te plaire, toutes les âmes pécheresses seront condamnées à souffrir pour l'éternité avec toi. Eh oh, tu peux pas me faire ça? Ha! Je vais me gêner, et hop! J'aurais mieux fait de me taire. Bah oui, je me doute bien, mais on peut pas continuer plus longtemps notre petit arrangement. Bonjour! Ah! Bonjour la cave. Mais je t'avais pas banni, toi? Si, mais rien ne m'empêche de revenir quand je veux. Ah, non, de moi-même. Bon, sinon tu fais quoi? Je croyais que tous les humains étaient mortels. Bah, c'est le cas. Alors pourquoi tu ressuscites ce gamin? Ça va, c'est pour lui faire plaisir. Mais ça fait plus de 10 fois qu'il crève, le gosse! Alors là, je suis désolé, mais faut arrêter. Ok, c'est bon, rabat-joie de service. Voilà, j'éteins la lumière de résurrection, t'es content? Oh, ressuscite-le encore une fois si ça te fait plaisir. Mais là, il est mort de quoi? Bah, il était à l'avant-ville et là, il s'est fait écraser par un lustre. L'est-il? Quoi, c'est possible? Mais c'est pas ça, mais le mec, il se fait brûler, électrocuter, il est même noyé, et il meurt écrasé par un lustre! Pas faux. Bon, bah, je suis désolé, mais il faut mettre fin à notre accord.